Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette tête dans le cul. Je viens de me réveiller, il est 10h donc j'ouvre le vlog de façon très matinale aujourd'hui. Voilà, j'ai bien dormi, mais hier soir on a eu une fuite d'eau dans les toilettes à l'étage et franchement galère parce que quand vous êtes enceinte, vous faites pipi toute la nuit, plein de fois. Et du coup, bah, j'ai dû descendre les escaliers avec mon gros bidou, la tête un peu enfarinée, si je puis dire. Et du coup, à chaque fois, j'ai manqué de me viander et tout, donc bref, pas top. Là, aujourd'hui, programme de la journée, j'aimerais faire la valise de la maternité, en tout cas l'avancer au maximum. Ensuite, j'aimerais trouver un joli bouquet de fleurs et tout, puisque ce soir, je vais manger avec ma Juju chez ses parents. Je suis trop contente de l'avoir. Et après, elle dort à la maison. Oh, c'est trop cool. Bref, voilà. Mon dadou, lui, il est au travail. Il était en matin aujourd'hui. Et puis, il en matin encore demain. Et puis, voilà. Donc là, je vais aller donner à manger ma petite cachounette parce qu'on vient de se lever. Il est 10h. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et puis, voilà. La journée va débuter tranquillement. Ah oui, et puis j'ai été réveillée par ces deux colis que j'ai reçus. Qui sont pas pour moi, qui sont pour Dadou, ça change, mais c'est des colis Nike. Il m'avait dit qu'il n'avait acheté qu'une paire de baskets, mais c'est un menteur, il a craqué sur deux paires. Donc du coup je vais me fâcher parce que là ça fait beaucoup. Franchement, je vous ai jamais montré son armoire à chaussures, enfin son placard à chaussures, étagère à chaussures, je sais pas trop comment on appelle ça, mais il en a je ne sais combien. C'est un vrai sneaker addict, comme on dit. Franchement là il abuse, je suis fâchée, j'ai l'air très en colère. On a une petite demoiselle qui attend d'aller manger. Hein, cachounette? On va toujours me faire la toilette, me faire des bisous, tout ce qu'il faut. On va aller manger, mon bébé? On va manger? Regarde-moi sa tête. On va manger, mon cœur? Oh, oui, on y va, allez. Bon, je vous reprends avec une tête un petit peu plus potable, quoiqu'elle n'est pas tip-top, hein, je vous l'accorde. Dans cette chambre à multifonction, donc dressing de dadou, chambre d'amis, bureau et coiffeuse et espèce de jeu pour demoiselle qui est juste là, bref. En fait, je suis en train de faire du rangement puisque ma Juju va venir dormir ce soir. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Donc j'en profite pour faire un gros rangement, pour faire du tri, etc. Bien nettoyer, passer un coup et tout. Et en même temps, j'ai une étagère que je voulais accrocher pour en fait y mettre mon fer à repasser, mon défroisseur. Parce que je les pose par terre à côté de ma table à repasser, mais ça n'a rien de très pratique. Et bon, là clairement, dans cette chambre, la déco est à revoir, enfin est clairement inexistante, on va dire ça comme ça, puisque c'est que des meubles un peu de récup, mais on s'en fout puisque c'est vraiment pas la chambre où voilà, on veut investir en termes de décoration. Donc voilà, là j'ai une étagère sous la main, toute noire, donc j'aimerais la fixer toute seule avec des chevilles mollies et tout, comme une grande, voilà, donc je suis pas sûre, j'ai peur de faire une connerie. Si je fais une connerie, Dadou rattrapera en rentrant du travail, c'est pas grave, mais je vais quand même essayer. Et j'espère que je vais y arriver. Oui, parce que nous les femmes, on peut bricoler. Moi j'y crois, clairement j'y crois, j'adore bricoler. Je fais souvent des conneries, mais en tout cas j'essaie. Bon, en fait je crois clairement que vous allez rien voir, hein, mais je viens de faire tomber mon marteau, tout va bien, vraiment la bricoleuse du dimanche. Bon là il y a mon anneau lumineux et tout, mais en fait c'est ici là sur le coin de l'armoire où je voudrais mettre donc une étagère, puisque là on a la planche à repasser et tout, et pouvoir y poser eh bien le défroisseur, le fer à repasser et tout, enfin bref, voilà. Et j'ai déjà donc fait mes repères avec mon niveau et je vais venir poser des chevilles mollies, voilà, parce que comme ça au moins je suis sûre que ça tient bien, puisque c'est je crois que c'est du placo. Bon, on va tester, et si je fais une bêtise, et ben tout est rattrapable, hein. Je ne suis pas une pro, donc écoutez, on va quand même tester. Là donc je m'étais fait un repère, je vais, ah ouais, mais est-ce que je vais avoir assez de force, moi? Oh, je suis sûre que non, parce que je crois que c'est pas du placo. Oh, il va me tuer, Dadou. Oups. Ah, puis alors faire ça enceinte, je peux vous dire que c'est du sport. C'est bon, c'est du placo. J'ai réussi à faire le trou. Enfin, je crois. On va voir. Je mets ça et là. J'ai jamais assez de force. J'arrive pas, j'ai pas assez de force.
Quand vous faites ça, et ben une moulie ça doit s'ouvrir. J'arrive pas à la faire s'ouvrir. Ah, moi elle est en train de faire une bêtise et papa il va la tuer mon cœur. J'essaye Cachou, j'essaye. Qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Où est-ce qu'elle a mis la moulie maman? Regarde ça, je suis toute seule. Je crois que je vais réussir à l'ouvrir celle-là. C'est moins sûr. Je me regarde bricoler, est-ce que t'es fière de moi? Bon, là j'ai pas la force donc ok, ça me fait chier. Bon, écoutez, je ne suis pas peu fière puisque déjà elle tient, on est d'accord. En plus de ça, elle est bien droite, j'ai vérifié avec mon niveau. Donc je vais pouvoir poser mon fer à passer et mon défroisseur. Et puis voilà, bon, c'est pas en termes de déco le truc de dingue. Mais je suis fière de l'avoir fait toute seule. Après, je suis pas sûre de l'installation quand même. Hein, mais je mettrai pas ma main à couper. Mais ça tient. Bon, c'est l'essentiel. Bon, après cette opération bricolage, je vais quand même casser la croûte parce qu'autant vous dire que j'ai faim. Il est bientôt 14h, donc il est peut-être temps de manger. Mais j'ai un livreur qui vient de passer. Il faut trop que je vous montre ce que j'ai reçu. Regardez-moi ça si c'est pas trop mignon. En fait, j'ai reçu un calendrier de l'Avent que j'ai fait personnaliser avec la tête de Cachounette. Ça sera le calendrier de l'Avent d'Adou. En fait, je lui ai fait faire ça sur Cheers. Et c'est un calendrier de la marque Kinder. Et en plus, vous pouvez donc le personnaliser avec vos photos. Et moi, j'ai fait faire celui-là pour Dadou. Et franchement, il est tellement amoureux de sa cachou. Comme moi, hein, on est full in love de notre bébé chat. Il va être trop content. Je suis sûre qu'il va être trop content. Et franchement, je kiffe. Je trouve ça tellement mignon, tellement drôle. J'ai un code promo sur l'appli qui vous donne 5€ des 10€ d'achat. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez vous commander votre calendrier de l'Avent ou des photos ou faire un livre photo ou plein d'autres choses, des manettes pour le frigo et tout, il y a plein de choses sur l'appli, sur leur site. Je vous l'affiche juste là, donc n'hésitez pas à en profiter. Et en tout cas, franchement, je suis full in love de ce calendrier, je suis même un peu jalouse. Alors, Grey's Anatomy est en route, ma factrice vient de me déposer un énorme colis de chez Gémeaux. Je crois bien qu'il y a une petite vidéo qui se prépare. Et le repas est servi. J'ai pris le reste de flan brocoli dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Voilà. Deux petites tranches de poulet rôti. Je crois que c'est ça. Ou de rôti de porc, j'en sais rien. Bref, peu importe. C'est du poulet. Mais je sais plus. Et un petit bout de chèvre. Voilà. Et je vais manger ça avant de me remettre à bosser. Mes petits loups, je vous reprends bien plus tard dans l'après-midi, puisque, enfin dans l'après-midi, dans la soirée, j'ai un épi, puisque là il est bientôt 20h, je vais pas tarder à partir chez les parents de Juju et voir Juju en même temps. On va faire une raclette ce soir, je sais pas si je vous l'ai dit, ce soir je vois ma Juju et elle vient dormir, mais si, je crois que je vous l'ai dit. Bref, cet après-midi, je n'ai pas posé mon cul, pardonnez-moi l'expression, mais je n'ai pas arrêté, j'ai monté mon étagère là, que je vois là-bas. Ensuite, j'ai rangé toute cette pièce, toute cette chambre. Là j'ai trié, j'ai rangé, j'ai plié du linge, j'ai miné si je l'ai étendu, j'ai changé de place le temps Carville, j'ai fait un milliard de choses, vraiment j'ai fait un milliard de choses, donc je suis contente. Là la pièce pour que Juju, enfin la chambre pour que Juju dorme est prête, je vais sortir un petit oreiller tout propre, des petites couettes et tout pour qu'elle soit bien, parce que ce canapé il est déjà pas très confortable, donc si en plus elle est pas très bien, enfin si en plus elle a pas ce qu'il faut pour être douille douille, bon voilà, je me voyais pas la recevoir comme ça. Sinon, j'ai pris une douche, je me suis remake-upée, là avec la lumière, c'est-à-dire que c'est du rapide, hein. En plus j'ai mis un coup de fond de teint, un coup de blush et mes sourcils, du mascara, et voilà. En termes de tenue, j'ai rentré mon gros bidou dans cette robe H&M, je crois, je vous l'avais montré il y a quelques vlogs, je crois bien. Donc voilà, avec un petit gilet et je vais mettre, je pense, des bottines à clous. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi aux chaussures. Voilà, donc là, je vais aller chez ma Juju pour 20h, comme elle m'a demandé. On mange une raclette. C'est-à-dire qu'on mange une raclette. Et oui, vous me demandez tout le temps, non, je ne suis pas immunisée contre la toxo, mais je mange de la viande, je mange de la charcuterie, je mange tout, voilà, donc vous me le demandez tout le temps, c'est pas, je vous en veux pas, hein, mais du coup je le répète 36 000 fois par jour, oui je mange tout, toxo ou pas toxo, j'ai fait le choix de ne rien m'interdire, donc voilà, c'est ma décision, et voilà, bref, donc là je vais...
Bah, je vais pas tarder à y aller et puis je clôturerai le vlog très certainement ce soir avec ma Juju quand on sera de retour à la maison. Voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, regardez. Surprise. Mon invité du soir. Bon, on a trop mangé. On n'a pas du tout vlogué ni elle ni moi. N'importe quoi. Parce qu'en fait, on était omnibulés par notre raclette, tout simplement. On a mangé, mais comme jamais. Bref, là, on était en train de papoter depuis 1 heure, 2 heures, je sais plus trop. Dans mon salon, dans la chambre de Bibinou et tout. Et puis, on va aller faire un gros dodo. On va se démaquiller et puis se pioter parce qu'on est fatigué. Voilà. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Juju et moi, on vous envoie plein de gros bisous. Bisous. Et on vous dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.